demande de mettre le nom de l'ambassadeur de votre pays où vous allez aller prendre votre visa. Voilà, donc ici c'est quoi? C'est l'ambassadeur, l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui sont par exemple au Togo, je crois, qu'ils prennent, ceux qui sont au Togo, je crois qu'ils prennent leur visa, je ne sais pas, au Bénin, ou c'est Bénin qui prend au Togo. Donc, ceux qui sont. Au Bénin, je crois, leur visa au Togo. Voilà, je crois bien c'est ça. Ouais, je crois bien c'est ça. Ou ceux qui prennent. En tout cas, entre les deux, ils savent. Et c'est que ceux qui prennent leur visa au Togo, ceux qui doivent prendre, les étudiants qui sont au Togo, doivent prendre leur visa où ça? Au Bénin. Donc ici, par exemple, où je mets ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, vous allez mettre, si vous êtes au Togo, vous allez mettre ambassadeur du Japon au Bénin. Voilà, c'est là-bas que vous allez prendre votre visa. C'est identique pour ceux qui sont au Burkina. Ceux qui sont au Burkina prennent leur visa en Côte d'Ivoire. Donc, ils peuvent mettre ambassadeur du Japon aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que les Burkinabés, ils prennent leur visa en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ici, on dit phone number. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Donc, le numéro de téléphone, plus 225, 59, 33, 12, 44. Voilà. Et l'email aussi, vous mettez l'email, mettez ça normalement parce que c'est sur ça qu'ils vont, ils vont essayer de vous joindre si vous n'avez pas été sélectionné ou vous avez été sélectionné. Ils vont essayer de vous envoyer des messages pour vous prévenir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas, mettez votre email. Ok, donc, on peut suivre pour la deuxième page. Ici, on dit, present status, student. Vous êtes un élève, employé et tout ça. Donc, vous mettez toujours élève. Voilà, élève pour ceux qui sont en terminale, qui vont passer sous couvert. Voilà. Et vous mettez autre pour ceux qui sont étudiants. Autre, vous remplissez ici que vous êtes étudiant. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous mettez d'abord élève. Ça veut dire que vous êtes en terminale. Vous allez passer ce concours sous couvert. Sous couvert, ça veut dire que vous n'avez pas encore eu le diplôme. Vous allez passer sous couvert. Voilà. Donc, name of school, moi j'étais par exemple, c'est comme si j'étais au lycée. Comme si j'étais au lycée municipal toujours de Kumasi. Voilà. Donc, ici on dit quoi? On dit spécifier le champ d'études. Ici, on dit spécifier le champ d'études de votre école ou université. Donc, ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est mathématiques et computer science. Voilà, donc, vous voulez faire par exemple mathématiques. Je vais mettre mathématiques. Bon, je vais mettre en anglais pour que mathématiques. And computer science. Donc, c'est ça que moi je vais faire. Donc, c'est un exemple. Je vous ai déjà dit, c'est un exemple. Donc, vous mettez ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, ici, on nous dit quoi? Ici, vous allez remplir vos bulletins et vous remplissez ici. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne votre école primaire, l'école primaire, ça veut dire que le BPC, par exemple, vous pouvez prendre le BPC et puis vous allez commencer à remplir là. Voilà. Donc, et ici, on dit quoi? Upper Secondary School, Senior School. Et puis ici, c'est Tertiary School. Donc, ici, le BPC, par exemple. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, la moyenne de l'élément du troisième, peut-être. Troisième ici, voilà. Et ici, vous pouvez mettre un élément de quoi? De la terminale. Vous comprenez? Voilà. Un élément de la terminale. Donc, si on veut remplir, je peux prendre par exemple
pour l'école primaire. L'école primaire, pour nous qui avons fait les EPP. Donc, c'est quoi EPP? Assini. Ah, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est dans quelle province? C'est la sous-préfecture de quoi? Sous-préfecture. La sous-préfecture. La sous-préfecture, voyons voir. La sous-préfecture. Préfecture. Excusez-moi. La sous-préfecture. Voilà. La sous-préfecture de quoi? Nadiaké. Voilà. Donc. La sous-préfecture d'Adiaké. Donc, la ville, c'est quoi? C'est Assini. Puisque Assini maintenant c'est une ville. Voilà. Donc, ici, c'est le camp. Quand est-ce que vous avez eu votre diplôme de l'école primaire? Vous avez commencé quand? On a commencé peut-être en 96, un truc comme ça. On a commencé. Bon, comme je suis né en 96. Comme je suis né en 96, j'ai déjà mis ici que je suis né en 96. Donc, on a commencé les écoles 5 ans. On a commencé l'école primaire 5 ans après. 5 ans après, donc, ça veut dire que j'ai commencé l'école primaire en 2000, par exemple, en 2001, je crois. 2001 ou bien 2002, peut-être. Voilà, donc, ici, vous mettez l'année 2002. 2002. Voilà, et puis le septième mois, voilà. Donc, vous avez eu votre diplôme 6 ans après. Donc, c'est comme si c'est 2008. Voilà, donc en 2008. Et ici aussi, on va mettre le huitième mois. Voilà, donc huitième mois 2008, vous avez eu votre diplôme de quoi? De l'école primaire. Voilà, c'est un exemple. Donc, vous regardez bien sur votre, sur vos éléments, sur votre vos bulletins et tout ça. Vous allez voir vos dates là-bas. Voilà, donc ici, on est à la deuxième position. Ici, vous pouvez mettre le bulletin du troisième. Voilà, le bulletin du troisième de votre collège. Vous pouvez mettre ça là. Donc, le collège, c'est le lycée moderne, par exemple, de Pobwe. Voilà, Pobwe, c'est une ville d'Abidjan. C'est une commune d'Abidjan. Pobwe, c'est une commune d'Abidjan. Voilà, donc ici, c'est à Abidjan. Donc ici, Abidjan. Je mets Abidjan. Et ici aussi, la ville aussi, c'est Abidjan. Voilà, donc. Donc, c'est comme si vous avez commencé. Vous avez eu votre diplôme de CEP, c'est-à-dire le diplôme de fin d'études du primaire en 2008. Donc, ça veut dire que l'année qui va suivre, en 2009, vous allez commencer le lycée à la classe de 6e. Et 6 ans encore plus tard, 6 ans ou 7 ans, vous allez avoir 3 ans plus tard. Maintenant, pour ceux qui ont 4 ans, parce que 3 ans ou 4 ans. Voilà. Donc, ici, je commence en 2009. 2009, on commence le cours le 17 en septembre. Septembre, c'est 9e mois. Voilà. Et 4 ans après, j'ai mon diplôme de BEPC, le diplôme de 3e. Voilà. C'est le brevet. Donc, 4 ans après, donc ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ici, je mets quoi? Je mets plus 4, ça fait 13 ans. Donc, ça fait 2000 ans. En 2013, voilà. 8e mois, 2013, J'ai mon BEPC, voilà. J'ai mon BEPC. Maintenant, on va passer ici à Upper Secondary Education. Voilà, ici, vous pouvez mettre par exemple. Ici, vous pouvez mettre par exemple pour le baccalauréat. Ici, vous pouvez mettre ici le diplôme du baccalauréat. Comprenez? Donc, ça reste toujours. Ici, le lycée, par exemple, pour le baccalauréat, c'est le lycée
C'est le lycée municipal de Kumasi, municipal de Kumasi. Voilà, le lycée municipal de Kumasi. Donc, c'est toujours Abidjan. Voilà, donc c'est toujours Abidjan. Donc, vérifiez bien sur vos bulletins. Vous allez voir tout ça là-bas. C'est toujours Abidjan. Et je l'ai eu. Puisque après, ici, si vous voyez bien, après 2013, vous avez eu. Donc, ça veut dire qu'en 2014, vous devez être en seconde. Voilà, donc 2014, ici. Et on a commencé le cours en septembre. Voilà. Donc, mais d'abord, on va essayer aussi de remplir les éléments qui sont à côté. Ici, on dit qu'on dit période hors secondaire attentive. Vous avez fait combien d'années? Vous avez fait ici de 2002 à 2008, vous avez fait 6 ans. Voilà, ici de 2008 à 2013, vous avez fait 4 ans. Voilà, et ici, vérifions voir. Ici, de 2014, on a commencé la classe de seconde. Et 3 ans après, je crois, seconde, première, terminale, 3 ans après, on a notre diplôme de baccalauréat, donc 2017. Donc en 2017, on a le diplôme de baccalauréat, on a fini le cours le 8e mois en août. Voilà, donc 3 ans plus tard. Ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici, vous pouvez vous laisser et puis voilà. Voilà, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Maintenant, ici, on dit statut, laisser. Les remarques, vous pouvez mettre, par exemple, vous regardez juste les remarques qui sont sur vos bulletins. Voilà. Regardez les remarques qui sont sur vos bulletins pour voir ici. Si vous remarquez bien, on dit quoi? On dit if the applicant has passed the entrance qualification, indicate this in the remark colon. On dit que si vous avez passé, si l'applicant a passé quoi? L'université, l'entrée à l'université, vous devez indiquer ça. Voilà. Donc ici pour la seconde, ici par exemple, ici pour la terminale ici, si vous avez fait. Vous êtes entré en terminale, vous devez faire des remarques. Vous devez dire que vous êtes maintenant entré à l'université. Voilà. Comme ici, graduate. Ici par exemple, bon, on va mettre ici encore. Donc regardez bien. Puisque ils ont déjà mis graduate ici, nous aussi on va essayer de faire quoi? De mettre ici le lycée municipal encore ici pour la classe de terminale. Puisque c'est le tertiaire, c'est l'éducation tertiaire. Donc lycée. Municipal de Kumasi. Voilà, on va recopier encore Abidjan ici. Abidjan là encore. Et là, on va mettre les mêmes dates, 2014. 9e mois. Vous recopiez juste ce qui est juste en dessus. Ouais, au-dessus. Donc vous récupérez juste ce qui est au-dessus. Voilà, 2014, ici c'est quoi? 2017. Voilà, 2017. Et le 9. Voilà, donc 3 ans aussi. Et ici, si vous avez eu votre baccalauréat, vous mettez que vous l'avez eu. Comprenez? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les marques, ils ont dit quoi? On dit if you attend multiple school of the same level of education with a moving house or readmission to university, write all the schools in the same colon. Voilà. On dit que si par exemple vous avez eu à passer dans plusieurs écoles pour avoir votre diplôme, mettez tout ça dans la partie dans la même colonne. Voilà, vous mettez tout ça dans la même colonne. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors ici on dit total years of schooling attending to has of
1st 2021. Donc vous avez eu combien d'éléments, combien d'années, vous avez fait combien d'années à l'école avant? Donc ici avant le 1er 2021, vous avez fait ici, ça fait 6 plus 4 10 10 plus 6 16, vous comprenez? Mais vous ne comptez pas l'élément le 3 qui est ici, vous ne comptez pas ça. Donc vous faites 10 10 plus 3, ça fait 13. Donc c'est ce que vous mettez. Ou bien si ça vous importune, vous enlevez ici l'élément qui est là, voilà, vous enlevez ça, c'est ce qu'on a recopié ici, donc ça fait 13. Voilà, on dit ici, you may use the space if the space of the above remark colon is insufficient. Voilà, ici on nous dit quoi? On vous dit que vous pouvez utiliser ici si les colonnes qui sont juste là pour les remarques, par exemple ici, si c'est insuffisant, vous pouvez utiliser ici. Voilà, donc c'est pas la peine, nous on avance ici. Donc j'essaie de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez remplir. Voilà, vous donne des idées et tout ça. Donc c'est ce qui est là. Donc ici on dit quoi? On dit, have you been awarded of Japan government scholarship in the past? If yes, you are not eligible to apply. On nous demande, on vous dit que si, est-ce que vous avez déjà eu un prix en ce qui concerne le gouvernement japonais dans le passé? Si oui, alors vous n'êtes pas éligible à postuler. Donc on va mettre non, puisque nous on veut postuler, on va mettre non. Are you applying for any other Japanese government scholarship? Deciding it's not aligned to applying for other Japanese government scholarship at the same time. At the same time. Donc on vous dit quoi? On vous demande, est-ce que vous avez une autre bourse que vous avez postulé pour le gouvernement japonais? Si oui, alors on aimerait vous dire que vous ne pouvez pas postuler en même temps sur plusieurs bourses du Japon. Voilà, donc c'est comme si vous allez postuler ici seulement. Alors, donc c'est non. On peut continuer. Ici, on dit quoi? Are you receiving or should you be receiving any scholarship from any organization other than the Japan government? Scholarship, on vous demande, est-ce que vous avez déjà eu des messages en ce qui concerne d'autres gouvernements, voilà, qui est tout autre que le gouvernement du Japon? C'est non. Donc ici on dit quoi? On dit, if yes, do you understand you must cancel other scholarship after selecting for next student since it is not allowed to receive other scholarship together with them. On dit, si vraiment vous avez reçu d'autres appels pour d'autres gouvernements, alors si on vous sélectionne ici, vous êtes dans l'obligation d'annuler pour les autres endroits. Donc vous mettez oui. Ok, maintenant ici, name of sponsor, period and amount of the scholarship. Ici c'est si vous voyez ça. If you are receiving or applying for other scholarship, please specify. On dit si y a une autre université qui vous a donné, comment on appelle ça, qui vous a donné, puisque nous on a dit non ici, on a dit oui en haut qu'on n'avait pas reçu d'éléments, voilà. Donc mais néanmoins, pour ceux qui ont reçu d'autres bourses, ils doivent spécifier ici le nom de cette bourse et le montant qu'ils ont reçu. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Et ici sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, actuellement, le problème.